Les voisins autour, ils savent pas mon cas, hein, puisque ils ne rentrent pas là. Hein. On n'a pas d'histoire. Le témoignage est extrait d'un film de Chris Burton. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette. Colette Bana est l'exemple même des personnes qui pouvaient jusqu'ici bénéficier d'un dispositif de défiscalisation sociale. Aujourd'hui menacé, il a conduit artisan du bâtiment, membre associatif, bénéficiaire et personnalité politique dans la rue. On trouve ça inadmissible, c'est révoltant. Voilà, alors c'est pour ça que je me montre solidaire aujourd'hui. Les fonds sont déjà là et les fonds vont repartir simplement parce qu'ils ont voté une loi dans notre dos. Donc on manifeste, on va déposer une motion. Colette Bana est l'une des dernières bénéficiaires du dispositif. Son dossier a été validé in extremis après 20 ans, passé dans une maison insalubre. Oui, c'est dur, oui. Par moments, on s'habitue et d'autres moments, on a une révolte. On baisse les bras et puis après, le lendemain, on essaie de survivre. Mais c'est une lutte incessante, oui. Le principe est simple, recueillir des fonds auprès d'investisseurs privés pour réhabiliter les logements de personnes dans le besoin. Ces investisseurs bénéficient en échange de réductions d'impôts. Cette année, on a eu 366 demandes. On aurait dû les satisfaire toutes, mais là déjà on a une soixantaine de dossiers qu'on sait qu'on ne pourra pas faire parce que on arrête de recevoir des sous, on refuse de l'argent et on en renvoie. Et à ce jour, on doit être à peu près à 4 millions d'euros refusés. En cause, l'article de loi permettant la mise en place du dispositif. Aujourd'hui, il est menacé par la loi de finances 2019. En Marche Martinique soutient pourtant le mouvement. En ce moment, notre présidente est à Paris et qu'elle est partie avec plusieurs dossiers. Et je sais qu'elle va voir le ministère pour défendre ce dossier sur le plan humain, comme je vous ai dit, le plan économique, parce que c'est très important de savoir qu'il y a des centaines d'emplois qui seront en danger. La mesure est potentiellement lourde de conséquences pour une île déjà fortement impactée par la problématique de l'habitat insalubre.